1000 balles quasiment l'aller-retour, mais c'est du foutage de gueule. Fais mais manger, monsieur. Mais je sais comment je peux manger, j'ai pas payé. Je vis toute l'année au sable et je paye le prix des touristes alors que moi je suis pas un touriste. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour à tous pour le 3e épisode du meilleur jeu. De la meilleure balade en voiture. 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 Avec des jeux, pas piqués des hannetons, messieurs dames. Eh bien, nous accueillons. Tu veux le dire ou je le dis? On y va en même temps? Ok. 1, 2, 3. Gary The Circle, bien sûr. The Circle, évidemment. Bien sûr, on ne vous le présente plus. Bon, déjà, on va rester sur le même principe. Improvisation radio, carpool karaoké. On a aussi... Du ABC Song. Si vous connaissez Vendredi, tout est permis de Arthur sur TF1, vous connaissez. Et bien évidemment, il me semble opportun de présenter l'équipe. Vous avez Julie ici. Et derrière, vous avez les femmes de l'ombre. Morgane. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Ça a la forme? Très bien. Comment tu vas? On laisse un pouce bleu, on s'abonne et puis ben on laisse en commentaire si vous avez d'autres idées d'invités. On partage aussi, hein, parce qu'il faut que ça soit vu les gars. Parce que nous la YouTube Money on en a besoin pour vivre. J'avoue. S'il vous plaît, merci. Si vous voulez, ça non mais gentil. Non mais attendez, on va être clair tout de suite. Non, coupe la musique, là, coupe la musique, on parle d'un sujet sérieux. Sujet sérieux. On va être très clair. Si on n'a pas de YouTube Money, il n'y a pas d'autres invités dans la voiture. Voilà. Si vous n'êtes pas foutu de laisser des pouces bleus et de partager, moi je peux plus rien faire pour moi. Pour vous. Pour vous. Non, pour moi. Ah, pour la YouTube Money, c'est pour moi. C'est vrai. Bon, c'est vrai qu'on a dit qu'on faisait 10, 90. Non, on a dit 50-50. 50-50. Bah oui. Attends, deux secondes. Ça filme plus. D'accord, ça filme non, plus. C'est bon. Non, mais la GoPro, le matos et tout, là, le ça là, tu vois ça. Qui te permet d'enregistrer le son, le micro qui est juste là. Qui est juste là. C'est à moi tout ça. Et sans tout ça, la voiture, c'est aussi à moi en fait. Le drapeau qui est sur la page, c'est à moi aussi. Donc, mais le virement, il est fait sur mon compte. Donc, mais 50-50 quand même, en fait. Non, mais vas-y, continue, c'est bon, c'est ta vidéo, c'est ta chaîne, fais-toi plaisir, quoi. Non, mais attends, Jules, te frustre pas, enfin. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Mais attends, tu vas pas te frustrer parce qu'on accueille Carré. Je vais débrancher la GoPro et tu vas te faire foutre, en fait. Tiens, d'ailleurs, je crois que le voilà. Eh ben oui, le voilà, où est-il? Mais il est où? Il est là, il arrive. Il est où? Il arrive, viens. Allez, monte! Je suis là! Ça va? Mesdames et messieurs! Gary Jarny! Ah non, mais je cours, c'est la course! Vous allez être serrés comme des sardines, mais c'est pas grave. C'est pas grave, les chéris, on fait comme ça. Ouais, mais mon trou, ça va, c'est pas grave. Non, je vais même pas dans mon trou. Oh. Ça commence! Titre! Ça commence! Ça va être bien! Mais non, mais y a toujours une histoire de trou avec moi, c'est pas de ma faute! Est-ce que tu connais le concept? Voilà, on va peut-être champion. Le non, moi je suis le délire. Alors tout ce que je sais, c'est qu'il y a des chansons, faut chanter. C'est pas ça du tout. Là. Mais je vous suis de toute façon. Voilà. Bah t'as pas le choix, t'es dans la caisse. Donc maintenant je verrouille la porte. Voilà, c'est verrouillé, tu ne peux plus sortir. C'est fini. Allez, on y va, c'est parti. Je vais vous kidnapper. Je veux pas très cher en ce moment. Mais attends, mais faut que je mette un peu en mode diva quand même. Ah mais mets-toi en mode diva. Prends la tourflette. Alors. La meilleure balade en voiture, featuring moi-même. Action. On va dire que ça appartenait à mon sentiment. Ah, ça va, hein. Allez, c'est parti. Gary, toi, tu estimes à combien de pouces bleus ta qualité de réception? On peut aller jusqu'à où? Autant que tu veux. Ah, jusqu'aux étoiles. Bon, déjà qu'il y a longtemps qu'il n'y a personne qui a visité ma pleine lune, alors je vais dire qu'aller aux étoiles, ça va être compliqué. Ok, moi je crois qu'il est temps qu'on y aille. Combien du coup de pouces bleus, Gary, tu me dis? Bah pour l'instant 10 sur 10. Bah on peut mettre plus? Non mais faut mettre quoi? Bah des pouces bleus, le nombre de pouces bleus maximum. Tu connais le système des pouces bleus, le système des likes sur Ah like. Ah des likes, hein. Bah en fait c'est illimité. Absolument. Jusqu'au évidemment. Nombre d'utilisateurs de YouTube. Exactement. Donc, autant de pouces que d'utilisateurs. Tu mets aléatoire et on lance? Tu mets ce que tu veux. Très bien ça. Allez, c'est parti. Ah, enfant, j'inventais des mondes idéaux. Tellement beau, mais tellement. Non, mais moi je suis biglu en plus. Je voulais oublier qu'on était humain. Ouais. Des gens bien. Ouais. Soudain le chanteur a fait yo yo yo. Et tout le monde a crié yo yo yo. Si c'est une vie de chanter yo yo yo, c'est décidé, je ferai yo yo yo.
avec Anthony Colette. Anthony Colette, évidemment. Allez, les portails. Plus tu n'es que l'ombre de toi-même, que c'est ballon. Seul dans la rue, tu rôdes comme une aventure. Bah, prends Xanax. Et tous les soirs, sous sa fenêtre. En fait, il faut faire de l'impro, mais des chansons. Oui, non, mais pourquoi pas? Je sais bien que tu l'adores. Bambino, bambino. Mais qu'elle a de jolis yeux. Bambino, bambino. Mais tu es trop jeune encore. Bambino, bambino. Pour jouer les amoureux. Bambino, bambino. Et gratte, gratte sur ta mandoline, mon petit bambino. Romain, je ne te laisse pas et emmène-moi derrière. Accessoire, bon, je passe sans message. Romain, si tu passes par là. Il y a de la place à côté de moi, Romain. Il y a de la place, on peut mettre encore un derrière. Bon, tant qu'il sert à moi, ça me va, moi. Ah, il y a un feu de merde. Désolé, mais c'est quand même un comble de faire des travaux en plein été alors que c'est la saison estivale. Quand même. On est d'accord. C'est donc, monsieur le maire, faites vos travaux en septembre. Monsieur le maire, si vous passez monsieur par là, cette Dolonne, faites votre boulot. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, je ficherai mon cœur. Avec vous là, en échange d'une trêve de douceur. Blinding lights. Ah, mais alors, moi, l'anglais, je parle anglais comme une vache espagnole. Oh, I say. Bah, elle est prioritaire, elle est con comme un balai. Bah oui, Les gens sont cons, et moi j'ai peur des gens en fait. Les gens savent pas conduire, j'aimerais qu'ils conduisent tous comme moi. C'est-à-dire en klaxonnant et en avançant quand faut avancer. Hé hey, connard, t'avances, oui ou merde. Non, non, mais pas comme un Marseillais, je dis comme moi, c'est pas la même chose. Ah, loup, cher là, on est désolé. Ah, mais loup, elle roule très vite, c'est comme ça. Loup, si, tu est... si tu passes par là. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas un mur? Il n'y a pas d'amour sincère. Il n'y a que de l'amour sincère. C'est chaos. Hey! À cause. Bonsoir, 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 bienvenue les copains, vous êtes prêts pour la ronde? Non mais on dirait que c'est un mélange de belge et de trucs hyper, ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun rapport, je suis très nul en imitation. Tu peux faire un petit truc du genre, allez, c'est parti, aujourd'hui c'est mercredi, c'est demi-tarif. Ouais mais je sais pas faire, moi je suis très nul en imitation. Oula. Ah, et ça est... Est-ce que tu m'entends? Regarde ce que tu as fait de moi. Je voudrais pas, mais pourtant j'ai fait tout ça à cause de toi. Je voulais juste oublier ce en quoi j'avais tellement cru. Du jour au lendemain, voir que pour toi je n'existais plus. Je n'existais plus, je n'existais plus. T'appelles ça Yuma? La Yuma Tolman dans Apple Pitcher. Est-ce que j'ai de la culture quand même, ils m'ont pris pour un con quand même. C'est pas parce que je sors d'une télé-réalité que je suis un con. Qu'est-ce que... Il croit qu'on l'a jugé aussi vite. Je sors ça. Allez. Oh, et j'ai calé. Oh oui, bravo. Il a calé, messieurs dames, c'est incroyable. Concept de l'homme, est-ce qu'on se reconnaît souvent dans la rue? Ça dépend.
En fait, ça m'arrive le soir quand les gens sont bourrés, ils me reconnaissent. Ils sont âgés, ils me reconnaissent pas. Donc les gens ont besoin d'être dans un état d'ébriété avancé pour pouvoir reconnaître ton visage. Ils osent venir te parler quand ils sont bourrés. Ah bah voilà. Et à chaque fois qu'ils te demandent une photo, c'est toujours non, c'est pour mon copain ou c'est pour ma copine, je sais jamais pour eux. En gros, moi j'en dis toujours non, faut que c'est pour toi. Quand c'est des hommes, moi je dis toujours oui, c'est pour te masturber le soir en pensant à moi, mais. Ça c'est flatteur. On se tourne autour. Rien ne bouge, rien ne change. On est allé dans un McDo pour commander, pour ce qu'on a bouffé. Oui. Et Jules m'a dit, Morgane et Jules m'ont dit, pour combien tu fais l'accent québécois au moment de la commande. J'ai dit, pour rien, je le fais. Et on l'a fait. Il y a des images d'ailleurs qui vont apparaître tout de suite. Voilà. Bonsoir. Alors, je vais vous prendre un menu Best of CBO avec des potatoes, un iced tea. Et est-ce que vous pouvez rajouter avec, je sais plus comment vous appelez ça, des mac poulet. Des nuggets peut-être. C'est ça, une boîte de 6, s'il vous plaît. Pas de soucis, quelle sauce? Moutarde. Je vais vous laisser avancer, je vous souhaite un bon appétit. C'est parfait, merci beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit extrait? Comment on voit? Non, mais non, je parle aux gens. Non, mais t'inquiète pas, je couperai. Yannick, mais où ça? Où ça? Il y a un écran qui va descendre. Où ça? Là? Il y a un écran où qui. Où ça, Florian? Il est là! À la place du miroir de Courtoisie, c'est quoi? C'est un petit écran LCD, d'accord? Ah, mais moi je suis très premier degré alors. Mais c'est... Non, mais... Oh là là! Mais c'est ça, tu prends l'accent là, comme ça, tu sais. Là, du coup, je disais à Céline. C'est ça. Céline Dion. Céline Dion. Sais-tu que je suis bien copain avec son fils là? On dirait Xavier Dolan. Eh ben Gary, tu es l'invité. Oh. Ok. Alléluia. C'est un H. Mais oui. Non. Ah merde. Bon, je sors. Ah, on dit A pourtant. Là, je recommence. Je peux pas avoir perdu dès le début. Ok, on recommence. C'est parti. Allez-y. Ah la honte. J'étais sûr de moi en plus. Bah je ne sais pas. J'ai pas de A. B. Bamboleo. Bamboleo. Pourquoi jamais la lettre qui me. C'est chante la vie chante pas ce que c'est. Comme si tu devais mourir demain. Voilà, c'est ça, merci. Comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, bah oui, chante. Michel Fugain. Envole-moi. Ah bien. Envole-moi. Envole-moi, loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi. Ne reste pas là. Ne reste pas là. Emmène-moi, emmène-moi. E-F-G. G. Gaston, y'a le téléphone qui sent, mais y'a jamais personne qui répond. C'est bon, mon cerveau commence à rentrer dans le game. H. I'm trying to do a rhyme. Oh, and I do the lonely ride. Je connais absolument pas la chanson. Simply lonely ride. Je crois que je connais, mais tu la chantes très mal. I've been on to you. You've been on to me, my sweet. Oh, c'est carpool karaoké, c'est carpool yaourt. I. I got a feeling. Ooh, that the night's gonna be a good night. That the night's gonna be a good night. And tonight's gonna be a good, good night. Moi, feeling. Kalinka, 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 maya. Kalinka, 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 maya. Kalinka, 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 maya. Kalinka, 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 maya. Pardon? Ah, il y avait un beau monsieur, enfin un beau garçon. Excusez-moi, on est en 06. Avec ses cheveux frisés, bah, je suis très sensible à ça. Passe à la coste, si tu passes par là, on va le faire pour tous en fait. M. Ah, si. Vas-y. Maman, quel est ton ce tourment, maman? Ah, oui. Cet étrange sentiment, maman. Cette envie qui me prend de rire et de pleurer, de crier, de chanter. C'est comme un volcan qui coule en grondant. Ah, oui. C'est comme un printemps qui. J'ai plus que dit tout le temps. Il n'y a qu'à toi que je peux dire tout ça. J'ai besoin de toi, je t'en prie, aide-moi. Dis-moi pourquoi je suis comme ça. Voilà.
c'était mon festival. Bravo, Gary, on peut applaudir Gary, chante Dorothée, c'est magnifique. Ah, mais Dorothée, je suis fan. Bravo, madame. Non, on applaudit le monsieur juste derrière, juste là. Je chantais Dorothée. Voilà. Voilà, 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 bonsoir, bon après-midi, hein, bien sûr. Abonnez-vous à Flowmotion. Abonnez-vous à Flowmotion. N. Ah, j'en ai une. Bah, Gary, vas-y. Vas-y, ouais. Non, je ne veux pas prendre l'air. Putain, j'ai pensé à elle en plus pour t'avoir plongé. J'ai pensé à elle t'avoir plongé pour Gangsta. C'est vrai ? Non, je ne veux pas l'oublier. Non, je ne veux pas m'en passer. Dites-nous dans les commentaires si vous voudriez qu'on interview Camilla Jordana. Ouais, pourquoi pas. Je pense que ça serait. Ouais. Mettez des pouces bleus. Voilà. Pouces Gary, on, du coup, à combien de pouces bleus? Moi, je like. Hein. Bah, ils ont intérêt à mettre des likes, sinon c'est moi qui va gagner. Voilà, la communauté de Gary là, qui vient voir la vidéo. Mettez dans les commentaires, mettez des likes. Sinon, Tata Gary a fait des fessées, donc. Moi, je suis sûr que ça me tente. Oh non! Non, mais accessoirement, il y a un oiseau caché dans la bagnole et je rigole pas. Oui. Oh merde! Oh putain! On s'est fait chier dessus! On va s'arrêter. Il y a vraiment un oiseau caché. Oh merde! Il y a un oiseau caché. Alors, ça n'aime pas ma gueule, je sais pas comment je dois le prendre. Mais. Oiseau, miette. Ça porte bonheur. Ça porte bonheur, les gars. C'est une mouette, ça se trouve, c'est un. Je sais pas comment le prendre. Attends, viens voir. Attends, je reprends. C'est une mouette âgée de 3 ans et demi qui a. Alors, à défaut d'avoir Radio Gary, on aura l'improvisation radio par Radio Gary, bien sûr. Ça c'est génial. Mais sympa, vous allez faire les fous et moi je garde la petite. Mais non, elle peut venir, maintenant il y a de nombreuses pistes. Il y a des nombreuses pistes, je sais même pas pourquoi la fille est de venir, mais enfin bon, il y a des nombreuses pistes, des pistes noires, des pistes rouges, venez au ski, c'est sûr qu'on est en plein été, donc c'est génial, il y a de la neige artificielle, vous viendrez, c'est juste 1 800 € la semaine, chérie, et voilà, mais pourquoi elle doit faire des nombreuses pistes, elle? Mais c'est sûr que ça, du coup, ça m'inspire. Lâche pour l'affaire, continue, le show must go on, et c'est vrai que, grâce à vous, mon public, vous avez comblé ce grand vide. Grand vide qui était dans mon cul. Vous savez vraiment, avec l'histoire de Rick Tiboul Caribou qui avait les couilles qui trempaient dans le neige, tu vois. Et ce que je disais à Céline l'autre coup, je disais, mais tain, quand même, il manque quelque chose, faut quelque chose qui comble ma vie. Et ben j'ai trouvé. C'est quoi? C'est vous. Lâchez un pouce bleu. Je sais pas si vous remarquez. C'est quoi ça? Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais généralement, quand on va au Cap d'Agde, on évite, bien évidemment, pour tous ceux qui ne sont pas fans de la pratique, les plages naturistes. Mais le problème, c'est que ils s'infiltrent absolument partout. C'est ça qui se passe aujourd'hui, maintenant, malheureusement, dans notre monde, n'est-ce pas? C'est que c'est la fameux nudiste, n'est-ce pas? On a Jean-Marie Le Pen sur le plateau. Ils sont absolument partout. Un autre jour, me promener avec ma petite Marion Maréchal, n'est-ce pas? Côté de Fréjus, n'est-ce pas? Qui est une ville du Front National. Et nous avons nous promener, nous avons vu 2-3 culs sous notre nez, nous avons pris la calache d'un habitant, d'un autochtone qui passait par ici, et sûrement venu des quartiers nord de Marseille, n'est-ce pas? C'est un peu extrême. C'est Le Pen, c'est Le Pen. C'est du second degré, messieurs, dames. C'est pourquoi AXA crée Relance Pro, un programme pour accompagner la relance de votre activité. Une relance qui, bien évidemment, ne fonctionnera jamais. On va vous donner un plan sur 10 ans qui vous allez devoir rembourser sur 40 ans. Vous n'aurez jamais la capacité de le rembourser. Votre entreprise va se planter, vous allez faire faillite, vous allez fermer, vous allez vous suicider, mais vous aurez rien. Et entre temps, vous prendrez du Xanax. Et voilà. Bah moi, ça m'intéresse. Il y a un mec qui appelle à ce prêt, il suicide tant que j'ai l'héritage. Ça m'arrange. Les vieux veufs riches, si vous passez par là. C'est pour moi. Dans notre secteur, l'accent a pour le moment été. L'accent a été pour le moment mis sur le trafic aérien de Ryanair. D'ailleurs, alors oui, mais j'en profite que je me suis fait baiser en allant au week-end de The Circle. Parce que franchement, merci les comparateurs de prix, mais c'est de la grosse merde. Oui, ouais, tiens, ça m'arrangerait bien ce jeu quand c'est avec les mécontes.
Donc, très bien, c'est bon. Le micro, il est là. Parle dans le micro. Très bien. Alors, je tiens à dire que les comparateurs de prix n'y allaient pas. C'est de la grosse merde. J'avais pris un billet qui n'a pas marché. On m'a jamais arrangé dans le vol. Je vais à l'aéroport de Marseille, un grand aéroport que je ne comprends rien par rapport à Nantes où il y avait des flèches. On nous indiquait Marseille nous laisse dans la merde déjà. Donc, merci les Marseillais de nous guider. Surtout quand on est comme moi, qu'on a peur de l'avion et que personne n'est là pour vous rassurer. J'avais un vol Ryanair. Je tombe sur une bonne femme qui en avait marre de servir les gens. On voyait que ça la faisait chier. Mais moi, je suis enregistré. Donnez-moi votre numéro. Il y a des chiffres et des lettres. Je n'avais aucune chiffre, aucune lettre. Monsieur Jarny, je vois pas sur le vol. J'ai vraiment un problème parce que faut que je rentre absolument chez moi parce que je bosse. Et le vol de Air France pour Nantes a été annulé. Vous venez de le dire il y a 2 heures. Comment on fait? Attendez une demi-heure, mais il faudra faire vite. Voilà ce qu'elle me dit. Il faudra faire vite parce que l'embarquement il se passera entre la demi-heure et les 10 minutes. J'ai fait, d'accord, attends, je vais pas payer un billet pour qu'après vous m'annulez mon embarquement. Non, mais vraiment, Ryanair à côté de la pompe. Mais elle fait, moi je suis toute seule, je peux pas faire aller à la caisse. Donc elle a appelé une collègue qui est arrivée en panique. Puis elle était doulante, comme très gentille, mais doulante la dame. Parce que moi je vous ai dit, il me restait 10 minutes à courir avec ma valise pour être embarquée. Et du coup, j'y vais. Oui. Et là, on m'annonce 550 euros pour un pas de la dernière minute. Mais vous foutez pas de la gueule du monde. Et je lui ai dit, je suis Gary de Cercle, alors rien à foutre, elle comprenait pas du tout. Je lui ai dit, je peux faire un placement de produit si vous voulez sur Ryanair. Rien à foutre, j'en ai marre. Bref, 1000 balles quasiment l'aller-retour, mais c'est du foutage de gueule. En France, en fait, en gros, on te fait payer. Non, mais en France, il y a un problème en France, moi je vous le dis. Et franchement, autant les trains, aux dernières minutes, franchement, ils font des cadeaux. Alors, SNCF, parfois vous m'énervez, mais sur ce coup-là, vous êtes cool. Mais Air France ou Ryanair? Le vol, ça se trouve, il n'y aurait même pas eu un connard qui aurait acheté son billet et vous dites, oh, un pigeon de dernière minute. Vas-y, il va taxer. Et la conne au début, elle m'avait même pas noté mes valises. Elle m'avait pas noté ma valise. Parce que Ryanair, bien sûr, alors au début, c'est genre, c'est pas cher, mais alors, tu rajoutes une valise, on te rajoute 100 boules. Tu rajoutes un vanity, on te rajoute 100 boules. Putain, j'ai ma valise, en fait, je l'emmène pas. Ah, j'avais oublié, monsieur Jarny. Ah, bah, tu m'étonnes. Bah oui, moi j'y vais, mais ma valise reste là, bien évidemment. Ah non, en plus, j'ai une belle valise avec des flammes en rose, j'avais pas la laisser. Alors Ryanair aussi. Attends, faut garder le masque. Parce qu'au début c'était un 6 sur 2, maintenant on est tous collés. Moi franchement j'étais pas content d'être entre deux messieurs. En plus, une place à la dernière minute alors qu'il y avait des places libres tout au fond du avion. Et on met entre deux bonhommes que je connais même pas à 550 euros les billets. Mais c'est vrai. Je vais pas m'en remettre. Du coup, ce qui fait que le mois de juillet, j'ai bouffé que des pâtes à cause de Ryanair. Donc merci, si vous voulez Air France Ryanair, si, franchement, si vous voulez vous faire pardonner, offrez-moi tous les vols gratuits pendant un an. Ryanair, si vous passez par là. J'ai hésité à faire une story, mais je me suis dit, ils vont me prendre pour un... Ah bah là, la story, elle est mais c'est comme Saint-Tropez. N'allez pas à Saint-Tropez, c'est la Trappe-Couillon. Je vais vous dire, ils nous ont vendu des glaces où la boule ressemblait même pas à une boule. C'était des gros pâtés comme ça. C'était hystérique. Romain et moi en train de le bouffer, il y avait tout qui coulait. Et moi, je voulais offrir la glace à Inès. Donc du coup, il me donne ma glace. Et je lui fais, mais ça coule. Il me fait, mais mangez, monsieur. Mais je sais comment je peux manger, j'ai pas payé. Je peux m'énerver. Et Inès a passé 3 heures à choisir son putain de parfum de glace. Parce qu'elle avait choisi au début pistache et elle voulait pas pistache après. Donc Saint-Tropez, arrêtez. Vous arnaquez les gens avec vos glaces qui coûtent 2 boules 8 balles. Merci. Non mais vous avez pris pour qui? C'est pas parce que vous... À qui elle a pu... Attends, le coca, 11 euros un coca. Vous n'avez pas vu ça? Allez, vas-y, viens, on s'arrête 2 secondes, vas-y, coupe ton coup de gueule. Allez. Alors Saint-Tropez. Franchement, ton coup de gueule, vas-y. Je rêvais d'aller à son premier parce que j'étais fan de Sous le Soleil quand j'étais petit. Ah, eh ben franchement, c'est de la grosse daube. C'est à qui est la plus grosse? Ils ont tout leur yacht, il y a des vigiles en plus, alors franchement, on peut même pas les approcher. Virginie Lou qui veut faire des photos. Non, vous descendez. Donc, les filles, elles sont fait lyncher. Oh, c'est beau. On va dans un bar. Ok, tu regardes les prix. Non, mais un jus de pamplemousse 8 euros, mais vous avez vu ça où? Même pas pressé. C'est un jus pampril de 25 centilitres. J'ai même pas 33 centilitres dans mon pampril. Donc, franchement, 8 euros qui a coulé en 10 minutes dans ma bouche, en général, c'est pas aussi long. Mais là, c'était cher. La gorgée de pampril était très chère. Putain, c'est 1 euro la gorgée à Saint-Tropez. Ben bordel, je veux dire que franchement. Si vous avez un budget vacances, partez avec 10 000 euros, hein, parce que sinon à Saint-Tropez. Partez pas à Saint-Tropez. Venez au Sable d'Olonne. Ah bah oui, venez au Sable d'Olonne. Venez au Sable d'Olonne, messieurs, dames. Les prix commencent un peu à bonder, parce qu'on... Alors, au Sable d'Olonne aussi, on prend les gens pour des cons. Je suis désolé. Tu vas au Leclerc de la Roche-sur-Yon et Leclerc des Sables, parce qu'on est station balnéaire, les prix sont 10 fois plus chers que au Leclerc de la Roche-sur-Yon. C'est scandaleux. Ça aussi, je tiens à le dire. Je vis toute l'année au Sable, et je paye le prix des touristes, alors que moi, je suis pas un touriste. Je suis une vraie personne. Coup, un habitant qui paye ses impôts, ça te donne. Et voilà, j'ai mal à la gorge, je me suis égosillé. Mais non, mais ils se foutent de notre gueule, vraiment, on nous prend pour des pigeons. J'en ai marre.
ils pensent... De toute façon, plus t'es pauvre et plus on t'arnaque. Plus t'es riche, plus on t'offre tout. C'est normal que les riches deviennent plus riches et que les pauvres sont plus pauvres. Mais va taxer les riches, mais pas celui qui est en train de galérer pour se faire son plein de courses à Leclerc, bordel. Surtout s'il habite au Sable d'Olonne. Accessoirement, dans une ville touristique où tout est beaucoup plus cher. Mais non, mais faut dire les choses comme ça. J'en ai marre, on se fait arnaquer tout le temps. C'est vrai. Sauf que quand je gagne, les gens rigolent. C'est ça le problème. Et sur ce, nous arrivons chez toi. Merci les garçons pour ce fabuleux voyage karaoke. Merci Flo, merci Jules, merci Morgane. J'ai passé un très bon moment. En tout cas, je vous invite tous, parce que moi j'ai passé vraiment un bon moment et j'ai hâte de découvrir les autres invités qui vont subir mon sort quand même, tu vois. Donc, on s'appelle tous. Tu es le premier d'une très longue série. Invité. Tu es le premier invité. Donc j'ai hâte de voir les autres, hein, vous allez comprendre. Et j'ai hâte de voir vos coups de gueule aussi au futur. En tout cas, on met des pouces, on s'abonne sur Flowmotion, la chaîne YouTube numéro 1, en tout cas dans mon cœur. J'étais ravi d'être le premier. J'ai baptisé. Alors, enfin, c'est un pigeon qui a baptisé la bagnole. Enfin, ou une mouette. Ce sera Ginette la mouette. Mais on a eu un baptême de feu. Ou alors la mouette n'aimait pas ma gueule, ce qui est pas possible. Mais en tout cas, on a été baptisé. Donc, c'est bon signe. La merde, c'est bon signe. C'est comme quand tu marches dessus, c'est bon signe. Ça a été un grand plaisir, un grand honneur que tu aies dépucelé ce concept en termes d'invité. Oui. Je suis plutôt serré à la base en plus. Mais... Bon bah moi j'y vais. Hein. Oui moi aussi. Allez. Ah voilà. Je peux taguer trois invités que j'adorerais qui viennent dans votre voiture. Ah bah tiens vas-y ouais tag trois personnes. Moi j'ai tagué comme ça. Vous comme ça. Sur vos commentaires. Nous on se démerde après. Et non moi, seulement la communauté comme ça vous allez envoyer des tas de messages à ces trois invités qui vont être cités. Ah j'adorerais. Et ils viendront dans la voiture pour les prochaines émissions. Number one. Alors Virginie, Constance, Catala, aïe. Oui parce que son nom est très long. Virginie qui a été avec Gary dans The Circle. Ouais parfait. Ensuite. Ensuite, j'adorerais voir Olivier Mine. Pourquoi pas? Oui, parce qu'il est très fort en impro. Et il est très drôle, Olivier Mine. Et ça me ferait mourir de rire. Qui est soit Daniel Evenou, Christine Bravo, enfin quelqu'un d'un peu psyché, complètement hystérique. Ça me ferait marrer. Anthony Colette, j'ai oublié. Anthony Colette. Du coup, ça fait 4. Voilà. On va se quitter là-dessus, je pense, messieurs, dames. Et si vous avez aimé ce concept, si vous avez aimé voir Gary... Partagez, dites-le. Bien sûr, on le partage, on n'hésite pas. Et on laisse un pouce bleu. Et on s'abonne. Gary, le petit mot de la fin dans le micro en susurrant et en... En susurrant, oui. En susurrant. ASMR. C'était Radio Gary. Très bonne journée ou très bonne soirée. Tout dépend de l'heure, vous verrez cette vidéo. Je vous embrasse, on vous embrasse et on vous dit à très vite sur Flowmotion.